Salut tout le monde, c'est Amy. Aujourd'hui, on se retrouve pour le plan de With Me de février 2018. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, le mois dernier, j'avais pas vraiment de thème à part le Tetris que j'avais fait pour le Mood Tracker. Mais ce mois-ci, j'ai eu une envie d'avion en papier en fait, tout simplement. Donc, du coup, j'ai mis des avions en papier partout, vous allez voir. Je sais pas, je trouvais que ça rendrait joli. Et puis, au final, voilà ce que ça a donné. Donc j'ai gardé quelques trucs du mois dernier, j'en ai enlevé d'autres. J'ai modifié un peu la manière de faire les habitudes, si je me souviens bien. J'ai modifié aussi j'ai gardé la page des dépenses parce que ça je trouvais ça plutôt important. Et j'ai aussi voilà, modifié la vue du mois. Avant j'avais fait le grand mois on va dire, alors que là j'en ai fait un tout petit avec juste les chiffres pour me repérer sur les semaines, et après à côté je mettrai vraiment la date et dans les events en fait. J'ai fait une case event, j'ai fait une case list, comme ça je sais quand j'ai quelque chose à acheter pour les courses je le mettrai là dedans parce que je me perds en fait dans les courses, dans ce que je dois acheter, etc. Une petite case note si jamais j'ai quelque chose à noter, et la case du mois prochain. Donc ça je ne l'ai pas changé, je l'ai gardé celle-ci parce que je la trouve plutôt sympa, elle est plutôt utile. Donc j'ai toujours gardé la page YouTube exactement comme celle du mois dernier. Voilà, je suis allée vérifier comment j'avais marqué, voilà. Donc toujours ouais, la page YouTube. Les habitudes, j'ai un peu modifié, vous allez voir. En gros, au lieu de faire pour l'eau, j'ai enlevé la page de sommeil parce que je trouvais ça un peu trop dur à calculer en fait, à savoir si j'avais bien dormi ou pas. Et du coup, j'ai fait la page de l'eau en fait, le tracker de l'eau, et j'ai mis mes trackers d'habitude classique juste à côté, vous allez voir c'est très simple comme ça, au moins j'ai tout sur le même truc. Donc pour le mood tracker, donc mes émotions, j'ai fait que des avions en papier, ça a été très 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 long, mais voilà au moins c'est fait. Et voilà, puis après j'ai fait mes jours de la semaine, enfin mes weekly log, donc toutes les semaines sur une seule page. Comme j'avais l'habitude de faire, j'ai juste rajouté un petit meal plan à la fin, en fait en bas de semaine. Donc voilà, parce que je voudrais faire plus attention à ce que je mange et prévoir un petit peu mes repas. Donc voilà, donc je vous laisse découvrir maintenant la suite de la vidéo tout seul avec un peu de musique. Et j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu avant de partir, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine !